Yo les gens, il y a un décalage de son avec mon casque et il y a un bruit de fond en arrière-plan, mais c'est pas grave, car aujourd'hui on se retrouve sur Okami. Bah voilà, allez, on y va. Donc, la dernière fois. Merde! Attends, tu sais quoi, on va redémarrer le jeu, ça sera plus rapide. Y'a mon Joy-Con Drift qui m'a fait mettre une nouvelle partie là-haut, tu vas te calmer toi. Oh, y'a un... Il veut la bagarre, c'est pour ça. Bah mais je comprends rien, ton japonais là. Allez, Capcom. Allez, donc on était là-bas. Attends, c'est quoi il touche déjà? Bah je me rappelle plus. Ah oui, il fait nuit. Exactement, ouais. Il fait nuit, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de méchants, attention. Donc, la dernière fois, quoi? Il y avait des tapis volants. On est dans le monde d'Aladin, les amis. Mama, c'est l'arbre qui est indiqué sur notre carte. C'est censé être un endroit de repos pour les voyageurs. Un endroit de repos juste à côté du... Vas-y, fous-toi de ma gueule. Le village, il est à 2 cm d'ici, Après, on a pris un portail magique, je crois, donc bon, je te pardonne, c'est bon. Mais on dirait qu'il est sur le point de s'écrouler. Sans déconner, cet endroit est maudit. Cet endroit où le mal est... Cet endroit où le mal s'est ancré, où les loïcs... Hein? Oh. Sont tout simplement appelés des zones maudites. Mais je n'ai jamais rien vu d'aussi important. Le mal a corrompu la nature de cet endroit, même cet arbre. Quel genre de créature a le pouvoir de faire ça? Adieu! Je suis Jésus, frère! Cet arbre est un avatar de Sakuya. Il protège la nature de cet endroit. Oh mon Dieu. Peut-être la nature retrouvera sa beauté si nous la revivons. Mais comment faire? Que pouvons-nous faire? Ah! Me fait attaquer! Il y avait des tapis volants! C'est quoi ça? Ils ont fait du spawn kill là, ça compte pas! Oh! Oh, tu veux te battre? Oh! Arrête de te protéger avec ta guitare là! Oh, Kid Veda! Oh! Et voilà, il est mort. Je me fais agresser par des tapis volants! D'accord, donc j'ai compris. Les tapis volants, c'est les Pokémon. Donc, ouais, donc j'ai dit, la dernière fois, on a réglé le problème au village de Kamiki. Eh oh, je me fais agresser par des tapis là, arrêtez bordel de merde, oh! Vous voulez vous battre, c'est ça? Moi je sais me battre, hein, hop là, hop là, hop là! Et arrête qui me vais avec ta guitare de merde là! Hop là! La technique du spammage de manette, ça marche toujours! Donc bref, apparemment il y a un problème là-bas. Mais quoi, oh, tu veux te battre? Oula, c'est pas bon ça! On dirait une zone maudite, mais... La malédiction est bien plus puissante ici! Oh! Faut que j'arrête, hein, y a des voisins. N'importe qui serait maudit en un clin d'œil. Je pense que cela pourrait même te priver de tes pouvoirs. Ah ouais, c'est chaud quand même, hein. Encore une statue? Ils ont tous été changés en pierre? Il y a une terrible malédiction qui est à l'œuvre ici. Et donc tous ces gens et nettoyant cet endroit du mal, sans déconner. J'avais pas compris que c'était ce qu'il fallait faire. Bah y a une maison. On va aller à la maison. Oh, je me fais agresser. Non mais tu veux te battre toi? Et je l'ai fait dans le dos là, qu'est-ce que tu me dis que ça marche pas? Oh là 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 là, c'est quoi ce jeu, sérieux? Vous avez obtenu globe spirituel, c'est sympa. Symbole de la croyance des hommes. Restaure un peu d'énergie solaire. D'accord. Maison de l'homme sans nom. Une lignée de gens habite ici. Protégeons la vallée des Anakti. C'est ça. Qu'est-ce qu'il mange du riz, lui? L'homme sans nom. Nanaganja, que s'est-il passé, mon frère? Attends, faut que je lui fasse un bon accent. Nanaganja, qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? J'étais en train de couper du bois et de communier avec la nature quand j'ai entendu un grondement venant du lac. Un tremblement de terre, pluie, un vent puissant ont surgi de nulle part. Lorsque j'ai retrouvé mes esprits, c'était la pagaille partout, mon frère. J'ai vu quelqu'un courir du lac vers le village de Kameke. J'espère qu'il va bien et que ma mère nature le protégera. Dawada, mon flair des forêts, tu connais cette cave? C'est l'entrée d'un endroit appelé la vallée de Anasekai. Il se trouve une belle fontaine, mais elle est hantée par les yokai. Il y a au fond une boule de cristal qui fait croître les plantes. N'importe quel amateur d'art voudrait mettre le lama dessus. Wow, de quel genre d'art tu parles, mon frère? Oh, ça veut dire, j'ai vu sous un os s'y précipiter il n'y a pas longtemps. Ah bah, c'est pas étonnant. Hein. C'est bizarre, normalement, il évite plutôt les monstres. Et il préfère du bon saké à l'herbe. Quel qu'il en soit, c'est un endroit dangereux. Sois prudent, mon frère. D'accord. Rien d'intéressant. Ah, tu parles de ça là? Est-ce que c'est là-bas qu'il faut aller? Ah bah, je suis mort. Ah non, je suis pas mort. La vallée des Anasaki. Ça va être sympa. Il y a un coffre. Un coffre comme dans celle d'ouille. J'ai défoncé le coffre. Amulette du voyageur. Protège le voyageur du danger. Augmente la divinité d'un niveau. Ah bah, c'est sympa ça. Allez, j'arrête pas de tomber dans l'eau, à l'aide! Mais pourquoi ils arrêtent la musique? J'étais bien moi. Oh. Mais ben voilà, c'est parfait. Tout s'est très bien passé. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'ils font? Hein? On s'est débarrassé de Ikai, alors pourquoi Ikami n'ont pas retrouvé leur pouvoir? La malédiction doit être vraiment puissante sur ces terres. Il faut trouver un moyen de supprimer cette atmosphère putride. Et regarde cet arbre, il bouge. Mama, sois prudent.
Oh, ouais, ouais, je vais te battre. T'as vu ça? Il nous a balancé un fruit. Bah non, j'ai pas vu, il était hors champ, qu'est-ce que tu crois? Mais j'ai bien vu qu'il m'a balancé un truc. Allez, Ama, fini de rigoler. Frappe le fruit pour lui renvoyer. Ah, d'accord. Dessine un trait net et droit pour renvoyer le fruit. C'est compris? Oh, je suis obligé. Eh merde, je me suis trompé de bouton. Ah, oh, je me fais attaquer de partout. Et voilà. Regarde, l'arbre est sonné. Allez, Zou, ne traînons pas là, profitons-en pour passer. Attends, c'est juste pour ça que tu m'as dit de... Mais je m'en fiche, moi j'avais pas besoin de... Il me dit de faire des trucs, mais ça sert à rien, donc bon, écoute. J'ai fait pas, hein, pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, j'ai vu, ouais. Quoi? Bon, si tu veux. Mais... Tu vas arrêter avec tes cinématiques, oui. Attention, les singes. On va avoir le ver de terre. C'est un gros ver de terre, ça. D'accord, ouais, absolument. Oh, j'étais pas au courant, là. C'est du cheat, ça. Utilisez un code de triche, je suis sûr. Vous obtenez le globe divin. Symbole de croyance des hommes, restaure un soleil d'énergie. C'est bien, ça. C'est nice. Bon, t'es où, mon gros? T'es là. Ah mais c'est un boss. Je sais pas, il a une barre de vie, c'est un boss. J'ai éclaté ton boss, hein. Claqué au sol. Et voilà, il est mort. Bon, bah c'était facile. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce que tu fais là? Encore toi, sac à puce, par tous les diables. Que fais-tu ici? À la Nice. Je t'ai déjà dit que je ne cherchais pas de disciples. La vallée des Anaseki n'est pas une place pour un cabot comme toi. C'est ici que se trouve mon camp d'entraînement secret. C'est parfait pour se cacher, je veux dire, s'entraîner. Allez, oust, fiche-moi le camp. Ouais, allez, moi je me tire, j'ai pas envie de l'aider. Il y avait un autre chemin derrière. Qu'est-ce que c'est? Pio, regarde un peu cette gigantesque peinture murale. Il paraît qu'une sphère de cristal qui a le pouvoir de faire grandir les arbres est conservée ici. Si on se base sur cette fresque, on peut penser que c'est vrai. Mais il y a quelque chose d'étrange. Tu ne trouves pas qu'il manque quelque chose à cette peinture? Allez, je vais te le faire, moi, ton soleil. Incroyable. Oh, il y a un tremblement de terre, vite, fuyez! Oh là là, qu'est-ce que c'était que ça? C'était de l'eau? C'est de la merde! Partout les camis! Que s'est-il passé? Bah, peu importe. Maintenant, je peux tranquillement me cacher. Je veux dire, m'entraîner. Allez, on va s'entraîner avec lui, les amis. C'est de l'eau en chocolat! C'est du chocolat marin! Allez, mais qu'est-ce que tu me fais, toi? C'est par où? Ah si, voilà, fallait prendre sur le côté, comme Mario. Eh bien oui. Je vous rappelle que c'est Mario Fury. Quel endroit bizarre. Serait-ce le terrain d'entraînement secret dont parlait Susano? Tiens, d'ailleurs, où est-ce qu'il est passé le papy? Allez, on va voir l'arbre mojo. C'est quoi ce petit bout de chou? Étrange, ce bourgeon a le même odeur que la sœur Sakuya. Ama, tu crois tout pouvoir résoudre avec un coup de boule? Oui. Tiens, une flaque d'eau. Oui. Moi, je te parie qu'il faut remettre de l'eau. Hop là, on fait je sais pas quoi et ça marchera. Ça a pas marché. Je vois, c'est pour ça qu'il y a un hôtel. On devait vénérer le soleil qui rayonnait sur la vallée. Bah, je vais le faire ton soleil. Puisqu'apparemment je sers qu'à ça. Mais d'où il a pas marché. Voilà. Donc je sers qu'à ça, hein. Tu sais, je fais des ronds et voilà, ça marche. T'as pas l'impression qu'il va se passer quelque chose? Oh bah tiens donc! Je suis sûr qu'il y a un secret caché dans cette pièce. Ah bah tiens, j'avais pas remarqué. Tu m'as saoulé, hein, écoute. Je me tire. Hein, attends une seconde, boule de poil. Il y a encore un tas d'endroits à explorer par ici. De plus, Susano a disparu. Ouais, mais il est pas très très important, lui. Ah, j'avais pas vu, il y a une grotte ici. Ah bah voilà, il y a le truc qu'on recherche. Ah non, c'est une sauvegarde. Bah voilà. Oh! Oh! Quoi? Encore? Toi, espèce de démon! Comment t'es-tu introduit ici? Démon!
Tu as du cran de venir me défier dans ma salle d'entraînement privée. Maintenant, tu vas goûter à l'une de mes nouvelles techniques secrètes. Et papy, le démon dont tu parles n'est qu'un ours endormi. Inutile de m'arrêter. Ma lèvre réclame son lot de sang. Fini les palabres. Voici technique secrète. Sous anneau. Sous. Ah oui, c'est vrai. Que. Eh, j'ai peu. Je réessaye une technique secrète. Sous anneau. Non. Sous anneau. Et pour finir en beauté, implosion infinie. Quoi, je vais faire sur lui. Il lui a éclaté sa bulle, quoi. Ça t'apprendra, bête idiote. Tu n'as aucune chance contre ma nouvelle technique. Repose en paix, vile créature. Le grand guerrier Susano condamne le crime, pas les criminels. D'autres monstres attendent d'être châtiés de ma main. Je m'enfuis très très loin. Cette sphère de cristal est remplie de feuilles. Peut-être était-elle utilisée dans un rituel pour une bonne récolte. Oh là là, on se demande qu'est-ce que c'est, dis donc. Et il n'y avait pas une sphère de représenter sur la fresque. C'est bon, c'est la quatrième fois que tu me la montres, là, ta fresque. C'est bon, j'ai compris. Bon bah, on y va, hein. La boule magique. Wouah, c'est de l'eau magique. Moi, je suis trop fort en énigme. Et ouais, j'ai fini Zelda Breath of the Wild. Bon, j'avoue, j'ai été sur Internet pour les réponses. Mais c'est pas grave, pas là, parce que là, j'ai réfléchi tout seul. Et ben, il y a des gens qui ont eu du putain à perdre pour mettre en place tout ça. C'était la sphère de la peinture. Ouais, je m'en doutais pas. Hein. J'ai loupé mon soleil. Et ouais. Regarde, ce ne serait pas un arbre gardien. Il est tout flétri comme les autres arbres. Qui a éteint les lumières? Oh mon dieu! Ah bah, une autre constellation est apparue. Ah, allez, passe-moi le pouvoir, baby. D'accord. Ça, bah, ça ressemble toujours à rien, écoute. Donc, qui c'est? Oh, c'est un singe. Oh, Amaterasu, déesse de la lumière et notre mère à tous, blablabla, accepte ma gratitude pour avoir libéré de mon sommeil. Je t'offre cet humble présent en échange de ta grande bonté. Moi, Sakigami, une des divinités de la flore, je te donne mon pouvoir. Utilise-le à bon escient. Son pouvoir, c'est de fumer de la chicha? Oh putain, la caméra, ça me fait un truc dégueulasse, on dirait que j'avance sa tête, mais pas du tout. C'était ça, Gigami. Nick. Technique de la floraison peut être refaite. Elle fleure en dessinant un cercle sur les arbres morts. Peut-être que tu peux aussi faire renaître les arbres gardiens. Ouais, on va dessiner des fleurs. Comme ça, tu veux dire? C'est éclaté. Arrête un peu de faire l'idiot. Et voilà. C'est carrément incroyable. Je suis magique. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Oh. Et voilà, comment gâcher de la nourriture. Y a plus de chocolat maintenant. Wow, regarde comme tout a refleuri. Sakuya ne plaisantait pas à propos du pouvoir des arbres gardiens. Voilà à quoi ressemble la vallée de Hanasaki. La magie de Sakuya à travers l'arbre gardien a dû dissiper la malédiction des yokai. Même si les camions ont perdu une partie de leur pouvoir, il faut être sacrément costaud. Et ouais, Asakura, elle est super forte. Pour terrasser un arbre gardien si grand, même si tu as la réincarnation de Shiranui,
on risque de se frotter à plus fort que nous. Hé, Yama, tu as pensé à que l'arbre... Ta gueule ! Bon bah voilà, il y a un arbre. C'est incroyable, hein. Ah, il y a une zone de combat. Quoi, il y a encore l'autre, là ? Allez, hop là. Oh là là, il m'envoie du bazooka, lui. Ah, il s'est envolé en deux. Toi, tu montes tes fesses, et bah, je te botte le cul. Voilà, il y a des fleurs. Il y a un sanglier, d'accord, bon. Bah, pourquoi pas, écoute. Apparemment, je suis Dieu aussi, je peux faire apparaître la vie. Bah, ce vieil arbre tout pourri ne veut pas abandonner. J'ai une idée, écoute-moi bien. Et si tu lui faisais pousser des fleurs? Attention. Et voilà. Wouah! Trop bien, il nous donne de la bouffe. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Les statues bouddhiques et toutes poussiéreuses. C'est la preuve qu'elles protègent les voyageurs depuis des lustres. Intéressant, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Hé, hey, Yama, attends un peu. C'est quoi ce carré d'herbe tout lugubre? Utilise le pouvoir de la floraison pour arranger ça. Barbouille comme tu veux avec ton pinceau, la floraison fera le reste. Ah, c'est bon, ça marche. Il y a un parchemin magique. C'est le rouleau du guerrier dragon. Oh mon dieu! Voici le manuscrit du dragon. Il est à toi. Regarde, il y avait un manuscrit caché. Yama, on dirait un guide du voyageur. Waouh, ça va nous montrer la position de l'office du tourisme. Trop bien. C'est de la merde. Ouais, et ben c'est un truc que je ne vais jamais lire. Attends, je vais voir mon arbre de compétences. Est-ce que je peux augmenter des trucs? J'ai combien? J'ai 76. Estomac mystique peut ressusciter Amaterasu. L'argent pour les courses, non, allez. On va prendre un estomac mystique, on va économiser. Hein, eh oui, qu'est-ce qu'il y a là? Oh là là là, tu veux te battre? Ah d'accord, en fait, il n'y avait rien de ce côté. Un pot! Ils sont revenus, eux. Bon, bah, ils sont revenus, apparemment. Et voilà, nous sommes trop puissants, que voulez-vous. Ouah, de l'eau. Un coffre. C'est un coffre, en fait, c'était une énigme pour Zelda. Ils sont mignons, les petits singes. Quoi, ça bouffe du poisson, ça? Eh oui, ça bouffe du poisson. T'as vu comme je suis trop fort en animologie? Ce mot n'existe pas. Si. Ouah, un autre creuser des trous. Vas-y, fous-toi de ma gueule. Des précieuses informations écrites par un mystérieux artisan errant. D'accord. Et voilà, une nouvelle technique dans la poche. Yama, écoute-moi bien. Avant que l'on se précipite et que l'on fasse n'importe quoi, j'ai un conseil à te donner. Écoute bien pour une fois. Non. Ah, le bûcheron. Bizarre, la rivière a l'air plus propre. Sans déconner, j'ai vu passer sous un eau il y a un instant. C'est quand même pas lui qui aurait nettoyé la rivière. Et c'est un non. Non, impossible. Alors, c'est lui ton arbre gardien, là? Et hop là. Bon bah... Voilà, on a l'air d'avoir gagné. La zone maudite a complètement disparu. Les arbres, les animaux, le parfum des fleurs, tout est de retour. Voilà ce que j'appelle une intervention divine. Je suis sûr que si tu continues à nettoyer l'endroit de la sorte, les camis de la nature te prêteront main forte. Mais c'est l'arbre de Sakuya, non? Elle se sent mieux parce que tu as ravivé l'arbre gardien. On pourrait lui rendre visite un peu plus tard. Ouais, si tu veux. Pour le moment, on a d'autres choses à faire. Et si on explorait un peu plus les plaines de Shinsu? Ça fait 100 ans que tu nous as quittés pour un long sommeil, hein. Une petite promenade dans les champs te fera le plus grand bien. Vous obtenez éviter les combats. Mais si j'évite les combats, je me grade pas, donc on s'en fiche.
Donc, qu'est-ce que j'étais en train de faire déjà? Ah oui, je suis réfugié sous cet arbre parce que j'ai entendu un bruit terrifiant, comme le grognement d'un monstre. C'est Destin qui a mené ici. Je vais installer mon magasin ici. Si on t'envoie faire des courses, chien, viens me voir. Ah, au fait, je ne sais pas si tu vas comprendre, mais j'ai une faveur à te demander. Avec ton flair, tu feras l'affaire. Si tu déniches de belles assiettes ou de beaux bols, ce serait dommage de les laisser. Ramène-les-moi plutôt. Et si tu trouves des trésors intéressants, je te les achèterai. Ah, c'est Thierry! Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? C'est quoi cette vieille porte? Elle a l'air louche. Pire que ça, elle est infestée par le mal. Mais bon, tu es un dieu. Et moi, Issoun l'intrépide, Lorama. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à travers? Évidemment, nous n'avons point peur. Oh. Ah, mais il était déjà mort en fait. D'accord, j'ai pas compris. D'accord, bon bah écoute. Parfait. Ces portes sont des passages vers le monde des yokai. J'ai entendu parler de ces portails. On les appelle les portes du démon. Ces monstres ont du culot de venir nous infester ici. Allons leur botter les fesses, Sama. D'accord. Et là-bas, c'est la suite de l'aventure, je suppose. Ouais, bah on continuera ça la semaine prochaine. Non, parce que la semaine prochaine, on fera sûrement un autre truc. Donc, on continuera ça plus tard. Oui, c'est la fin de la vidéo. Donc, tu connais la musique, hein, si vous l'avez apprécié. Pouce bleu, partage, abonnement, tout ça, je sais plus, il y a d'autres trucs, il me semble. Mais je sais plus ce que c'est. Viens sur mon Discord, voilà, c'était ça le truc que je voulais dire. Et moi, je te dis, bah, à plus.